Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala ashraf al-anbiya, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Shaykh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Premier sort toujours Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le tout miséricordieux, donc de nous avoir permis encore une fois donc de s'asseoir quelques instants pour apprendre sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala donc qui nous a permis aussi de justement hier soir de terminer la moitié la lecture de la moitié du Coran dans la salat tarawih. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte toutes nos salats, nos jeûnes et nos actions. La dernière fois donc nous avons parlé le nom divin d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Jabbar. Et nous avons vu que celui qui se sent, qui a besoin donc de réconfort, de source de réconfort intérieur ou extérieur, donc doit répéter souvent ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Jabbar. Qui veut dire donc l'invincible, le dominant. Aujourd'hui, nous allons voir un autre nom divin qui est Al-Mutakabbir. Imam, il a lu dans la deuxième rakat, donc justement, ce passage où il est cité une seule fois dans le Coran le nom divin Al-Mutakabbir. Wallahu alladhi la ilaha illahu, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Al-Mutakabbir. Subhanallah, man yushrikun. Donc, il veut dire le suprême ou d'autres significations qu'on verra tout à l'heure. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il employait ce nom divin dans un de ses sermons. Un jour, donc, il est monté sur la chaire, sur le mimbar, il a récité un verset du Coran: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِ سُبْحَانَ اللَّهِ مَنْ يُشْرِكُونَ. En ce sens que ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de ce qu'il associe. Après avoir lu ce verset, c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'Allah subhanahu wa ta'ala se loue lui-même en disant Ana al-Jabbar, Ana al-Mutakabbir, Ana al-Malik, Ana al-Muta'al. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il dit que je suis Al-Jabbar, le contraignant, l'invincible, Al-Mutakabbir, donc le suprême, Al-Malik, je suis le roi, Al-Muta'al, je suis le très haut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété ces mots avec tant d'insistance en plusieurs fois. Il dit que le mimbar commença à bouger. Et les sahaba qui étaient là pensaient même que le mimbar allait s'écrouler. Alors, la définition, donc, Al-Mutakabbir, il y a notre nom divin d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on parlera aussi, qui est lié aussi, c'est Al-Kabir. Qui veut dire donc le grand. Al-Kabir et Al-Mutakabbir. Donc le Al, qui est au début donc de ce nom, c'est Al-Tarif, l'article défini qui veut dire le ou la. Ensuite vient Kaf, Ba et Ra. Alors pour comprendre ce nom divin Al-Mutakabbir, on va essayer donc décortiquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ce nom-là. Donc il y a la racine d'abord, Kaf, Ba, Ra, qui véhicule plusieurs connotations, c'est-à-dire être grand en taille, avoir un haut rang, une dignité, ou bien être impressionnant, ou bien être d'un âge avancé, le plus âgé, être grand en noblesse, en majesté, avoir un savoir étendu et disposer des droits au-dessus de tout. Alors lorsqu'on enlève le ta, dans Al-Mutakabbir, on enlève le ta. Ça devient Al-Mukabbir. Alors le mim ici avec le verbe, ici lorsqu'on met le mim avant le verbe, cela donne une signification, c'est-à-dire que
c'est l'endroit où on fait l'action. Alors, on prend un exemple, ce sera plus simple. Par exemple, sajada. Sajada, ça veut dire se prosterner. Si on met un mime avant, ça devient masjid. Sim, jimda, on met un mime devant, on fait masjid. Masjid, c'est l'endroit où on fait le sajda. Pareil, jalsa, jalasa, ça veut dire s'asseoir. L'endroit où tout le monde s'assoit, on s'appelle majlis. Pareil, lorsque tawfa fait le tour de la Kaaba. La place où on fait le tawaf, tawfa, on met un mime devant, ça devient mataf. Mataf, c'est l'endroit où on fait donc, le tawaf. Donc, maintenant, kabara avec le mime avant, ça veut dire que c'est la chose qui est grand ou c'est l'endroit où s'exprime cette grandeur-là. Et kabara, si on met un mime devant, donc ça veut dire mukabbir. Et mukabbir, en arabe, c'est le micro. C'est-à-dire que ça élève plus la voix. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas al-mukabbir, mais il est al-mutakabbir. Deuxième chose, on va enlever le mime maintenant. Al-mutakabbir, on enlève le mime. Ça devient un takabbur. Le ta, qui est avant ce verbe-là, nous montre que c'est lorsqu'on fait semblant l'action qu'on fait, on fait un petit peu. Par exemple, dormir, c'est nam. Si on met le ta devant, tanam, ça veut dire faire semblant hein, de dormir. Donc takabbur, c'est faire semblant que c'est lui qui est intouchable. Quand on dit quelqu'un fait takabbur, c'est-à-dire, ah, regarde là, il croit que c'est le plus fort. En fait, il fait semblant. Parce qu'il ne peut pas toujours être le plus fort. Parce que s'il a un mal de tête ou mal au ventre, ça va lui mettre par terre. Donc, il n'est pas le plus fort. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est lui, al-mutakabbir. Lui-même, en lui-même, donc c'est lui qui lui est grand. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, cette place de grandeur est en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, al-mutakabbir, qui veut dire donc grand, et qui veut dire aussi donc qu'il y a plusieurs donc, nuances dans la réalité, donc plusieurs définitions. Il y a le nom d'exception qui vient donc al-mutakabbir, il est associé aussi avec le nom al-kibriya. Al-kibriya, ça veut dire la grandeur et ça veut dire aussi l'orgueil. L'orgueil, c'est-à-dire on se sent plus fort que les autres. Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise ce terme al-kibriya dans le Coran en disant قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce sens que est-ce pour nous écarter de ce quoi nous avons trouvé nos ancêtres que tu es venu à nous? Et وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ, et pour que la grandeur appartienne à vous deux sur terre, et ne croyons pas en vous. Donc c'est dans surat Yunus. Celui qui se qualifie de mutakabbir, c'est il considère toute créature comme insignifiante comparée à lui. Donc seul Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire ça. Seul Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dire que c'est lui qui est hein, le plus grand, c'est lui qui connaît toutes choses, c'est lui qui englobe tout. Nous, on ne peut pas, parce qu'on se voit qu'on est un khuliqal insanu da'ifa, donc l'être humain a été créé faible. Donc le nom al-mutakabbir, qui sied Allah subhanahu wa ta'ala, donc il reflète toute sa puissance, toute sa connaissance parfaite qu'il a de lui-même. Et al-mutakabbir se rapproche aussi du nom qu'on avait vu une fois, donc al-mu'min, qui indique une harmonie parfaite entre ses noms et ses actes. Maintenant, al-mutakabbir, lorsqu'on est lié à l'être humain, donc ça veut dire, donc c'est un défaut, c'est-à-dire qu'il est orgueilleux, qu'il se sent supérieur aux autres, et c'est comme tout tyran, c'est un tyran, donc ce qui veut dire que seule cette qualité-là appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on avait vu aussi la dernière fois,
on doit essayer donc de lire dans le ruku un autre doua qu'on lit, un autre dhikr qu'on lit dans le ruku, Subhana del Jabarut wal Malakut wal Kibriya. C'est ici donc le mot qui revient dans al Kibriya wal Azama qu'on avait dit donc la dernière fois. Maintenant, l'on nous dit Al-Mutakabbir découle, donc on avait dit tout à l'heure, d'un autre nom divin qui est Al-Kabir. Al-Kabir, il fait dire le grand. Et il apparaît 6 fois dans le Coran. Al-Kabir. Quelques exemples. Zalika bi anna Allah wa al-haqqu wa anna ma yad'una min duni huwa al-batil wa anna Allah wa al-aliyyul kabir. Inna Allah kana aliyan kabira. Alimul ghayb wa shahada al-kabirul muta'al. Quelques traductions, donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, wal-haq, alors que ce qu'il invoque en dehors de lui est faux. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le sublime, le grand, al-kabir. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand que toute chose. Et ça, on le voit lorsque dans les moments importants, dans les ibadats importantes, on dit le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on évoque Allah subhanahu wa ta'ala en disant que c'est lui le plus grand. Allahu Akbar. Il y a le plus grand dhikr qu'on fait. Hein? Allahu Akbar, c'est pas Allah, il est grand. Akbar, c'est le plus grand. On le dit lorsqu'on commence la salah. Déjà l'adhan. Lorsqu'on fait l'adhan, les répéter, hein, combien de fois dans l'adhan? Beaucoup de fois. Et on avait vu, lorsqu'on avait parlé l'année d'avant sur la salah, sur l'adhan, on avait justement expliqué, détaillé donc la signification de l'adhan. On a vu que à un endroit de le monde, à chaque seconde, donc, il y a, lorsque l'heure de la salah qui entre, et donc il y a l'adhan qui est fait. Donc c'est comme si 24 heures sur 24, il y a cet appel, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est dit, et le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit aussi. Donc, lorsqu'on fait l'adhan, on dit Allahu Akbar. Lorsqu'on commence la salah, le takbir tahrima qui est obligatoire, on doit dire Allahu Akbar. Et si on commence la salah avec la bouche fermée, la salah n'est pas valable. Si on fait comme ça sans entendre, c'est-à-dire on n'a pas bougé les lèvres aussi, c'est nous-mêmes on n'entend pas le takbir tahrima, le premier takbir, Allahu Akbar. Donc, ça c'est fait partie donc, des faraz de la salah. Bientôt, il y aura le jour de Eid avec le takbir, hein, on doit dire Allahu Akbar dans le Hajj, lorsqu'on va au Jamarat pour lancer les pieds, Bismillah et Allahu Akbar, lorsqu'on fait la Tawaf pour faire donc devant la pierre noire, on dit Allahu Akbar. Donc dans différentes adorations qui sont très importantes, il y a ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui revient, qui est Al-Kabir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris un doua aussi, apporté donc dans At-Tirmidhi, que Al-Kabir, c'est comme un remède contre la fièvre et la douleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que si quelqu'un donc, il a mal de tête très fort, et aussi lorsqu'il a de la fièvre, donc de lier ce doua, Bismillah al-Kabir, Bismillah al-Kabir, que au nom d'Allah, donc qui est le grand. A'oudhu billahi al-azim. Je cherche refuge auprès d'Allah l'immense. Min kulli 'irqin na'ar. Contre le mal de toute artère au sang ardent, c'est-à-dire donc justement cette fièvre qui est dans notre sang. Wa min sharri harrin nar. Et là on voit que on fait le lien avec le akhirat. Lorsqu'on parle de chaleur, ben on parle là, du feu de l'enfer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande protection auprès de Al-Kabir, c'est-à-dire qui est le grand, Al-Azim, l'immense. Donc contre tout mal, toute chaleur qu'il y a dans notre corps, toute artère du sang ardent, Na'ar, wa min sharri harrin nar, et contre le mal de la chaleur du feu de l'enfer. Donc comme on a dit, lorsque la place de l'être humain, lorsqu'on a appris maintenant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Kabir, qu'il est grand. Alors, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que « Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusim hatta
C'est-à-dire, nous leur montrons le signe dans l'univers. Lorsqu'on regarde l'infiniment grand et en soi, et en eux-mêmes, et l'infiniment petit. Donc lorsqu'on voit ça, vraiment, on voit la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui qui est Al-Kabir, c'est lui le grand. Comment il peut tout faire ça? Quand on étudie les planètes, on voit quelque chose qui est très grand, très éloigné. Et lorsqu'on étudie au fond de nous-mêmes, on voit l'infiniment petit, comment il y a donc les cellules, etc. Là, on voit vraiment la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comment s'imprégner du nom Al-Mutakabbir? En fait, donc, il y a ce doua que Moussa, alayhi salam, il avait fait contre Pharaon. وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُوتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. Donc, je cherche auprès de mon Seigneur et le vôtre, وَرَبِّكُمْ, protection contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour des comptes. Maintenant, il faut justement comment s'en imprégner, c'est-à-dire on peut pas avoir cette qualité-là. Donc on va prendre le contraire, comme on avait dit la dernière fois, il faut qu'on soit humble. Développer en nous cette humilité-là. Parce que le prophète Hassan, il dit en ce sens que si quelqu'un il a un atome d'orgueil, il ne pourra pas entrer dans le paradis. Donc à nous, essayer donc d'enlever cet orgueil en nous. Parfois, lorsqu'on fait quelque chose, on est félicité par d'autres personnes, alors on se sent vraiment très grand, on dit « Ah, on a fait ça », alors qu'on n'a rien fait. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a mis dans cette situation-là. C'est lui qui crée toute situation. Sans lui, on ne peut rien faire. Donc, on ne peut pas dire que nous, on a fait, on connaît tout, bien on sait tout, non. Seule la science infuse appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour enlever cet orgueil en nous, donc, moi et Mohamed avait déjà développé ça l'année dernière. Donc, on doit faire beaucoup de sajda. Parce que ça, c'est vraiment la partie la plus importante de notre corps, c'est-à-dire le visage. On va le poser sur le sol, l'endroit le plus bas, pour Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut. Donc, on doit faire beaucoup de sajda pour justement développer cette humilité en nous. Et aussi, on doit se rappeler ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit en sens que, non, c'est un hadith Qudsi. Hadith Qudsi, c'est parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala déclare son amour au plus humble d'entre les hommes dans un hadith Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit en sens que j'aime trois catégories de personnes et mon amour pour trois autres est encore plus grand. J'aime l'obéissant. Et mon amour pour un jeune obéissant est le plus grand. J'aime les gens qui obéissent, mais lorsqu'un jeune il est dans l'obéissance, ça, mon amour est plus grand pour cette personne. J'aime le modeste. Et mon amour pour un modeste fortuné est plus grand. Quelqu'un qui est riche et qui est modeste, donc Allah subhanahu wa ta'ala va aimer plus cette personne. J'aime le généreux. Et mon amour pour un généreux démuni est le plus grand. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant que maintenant, je déteste trois genres de personnes et ma haine pour trois autres est encore plus grande. Je hais le désobéissant et ma haine pour un désobéissant âgé est plus grande. Je hais l'arrogant et ma haine pour un arrogant misérable est plus grande. Je hais l'avare et ma haine pour un avare opulent est plus grande. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il était modeste, le plus noble des modesties. Hein, souvent, on le répète ça dans les bayans de Nikah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il n'hésitait pas à retrousser ses manches pour effectuer les tâches ménagères ou porter les provisions. Et il traitait tout le monde avec respect. Il appliquait tout simplement ce qu'il recommandait aux autres, mais il est appliqué donc à lui-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est entré à Mecca, lorsqu'il y a eu la conquête de Mecca, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il est entré à Mecca, nous savons tous l'histoire, et là, il n'est pas entré comme un conquérant.
que voilà, j'ai repris ma cas. Hein, ici, vous m'avez persécuté. Vous n'avez pas accepté mon message. Maintenant, je reviens. Et non, il n'a pas fait ça, lui. Il a entré, il a pénétré la tête baissée. C'est sa monture. Il a baissé la tête avec humilité, de sorte que son turban touchait presque le cou de sa monture. Tellement il est baissé, donc ce turban touchait le cou de sa monture par humilité. Et aussi, il est dit que lorsqu'il est arrivé, parmi les premières choses qu'il a fait, c'est qu'il est parti voir une femme âgée, une vieille femme. Et le professeur, il avait mis sa cape par terre. Et tous deux étaient en train de s'asseoir sur cette cape-là, en train de parler, en train de rire. Une vieille femme avec le professeur en salle. Alors les gens disaient, mais le sahaba dit, mais c'est qui ça? Le professeur, il arrive, il va voir cette personne, ben, nous ne sait pas. En fait, c'était sa nourrice, Halima Sa'diya. Donc comment le professeur, donc, il avait cette reconnaissance-là, et il est parti voir donc sa nourrice. Donc on va terminer là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc il nous permet donc de développer cette humilité en nous, justement en ayant l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le seul qui est al-mutakabbir, c'est lui le seul qui est le plus grand, qui connaît toutes choses, qui fait toutes choses. Et lorsqu'on connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est al-kabir, hein, lorsqu'on fait dua aussi, qu'on a besoin de quelque chose, donc on demande Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donc nous permet de mettre en pratique, de propager aux absents. آمين رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله بالعالمين سبحان الله الحمد لله سبحان الله وبحمده ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك الله Allahu